Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un petit déclutteur. Donc voilà, de temps en temps, j'aime bien faire ce genre de vidéo pour limiter mes stocks en make-up parce que j'ai tendance à exagérer, surtout dans mes achats. Et qu'il me faut des sous, tout simplement. Donc, je les mettrai sur Vinted. Probablement le week-end après cette vidéo ou dans la semaine suivant cette vidéo. Voilà, je laisse toujours quelques temps parce qu'il y en a beaucoup qui me contactent en privé après le déclutteur en me disant je veux ça, 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 ça. Donc voilà. Donc si maintenant, si vous préférez économiser un peu sur les frais Vinted, vous m'envoyez un message, on peut s'arranger. Vous pouvez me payer par PayPal par exemple et je vous fais le lot ou le produit à 1 € sur Vinted juste pour avoir les frais de port moins chers et comme ça, vous payez quasi pas de frais Vinted, puisque vous les paierez sur les 1 € et pas sur le total des produits, n'est-ce pas? Voilà, donc vous m'envoyez des messages sur Instagram, des mails, il y a mon mail en barre d'infos, au pire, si vous avez bien. Non, je crois pas qu'il est en barre d'infos, enfin, il y a mon mail dans la section à propos, des trucs comme ça, pour s'il y a des produits que vous voulez avant que je les mette en vente. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais essayer de trier quand même un maximum, surtout dans les palettes, parce que je vous remets ma collection de palettes, c'est un carnage, surtout en sachant que j'en attends encore 11. Vu que j'ai commandé le reste des astrologiques de chez Shein. Donc là, je vais vraiment limiter, essayer de virer, sauf celles qui sont des cadeaux. Et mes préférées, bien évidemment, hein, mais bon, de toute façon, dans mes cadeaux, je les aime toutes. Voilà, voilà. Bah écoutez, on se retrouve sur le meuble et on fait ça tout de suite. Je vais filmer avec mon téléphone, comme ça on verra la qualité de filmation du nouveau téléphone. Alors, on va pouvoir tester les vidéos avec le téléphone. Donc, attendez, je vais m'asseoir. Bouge-toi, Lilou. Allez, bouge-toi, bouge-toi. Alors, dans le premier tiroir. Alors, d'abord, attendez. Ici, j'ai déjà préparé quelques petits trucs que je dois remettre en vente ou mettre en vente. Donc, je vais déjà vous montrer ça. Donc, bien sûr, je vais mettre la palette là, Sephora, puisque moi, je ne l'utiliserai absolument pas, hein, je vous l'ai dit. Donc, je vais la mettre en vente. Ça, c'est des trucs, donc c'est les petits rasoirs. Ça aussi, il y a la. Comment est-ce qu'elle s'appelle? La égaliseur aussi que je dois remettre en vente parce qu'il me les a supprimés. Okay, voilà. Il y a un masque crème comme ça. Mes coques, je vais mettre mes coques d'iPhone parce que je les ai finies. Je vais mettre le Fix Plus parce que je l'aime vraiment pas. Donc maintenant, je suis désolée, mais je ne le supporte pas. La base, Glam Light, parce que je l'aime pas non plus. Je vais mettre le vernis là de chez Ongle 24, que j'ai utilisé qu'une fois, mais en fait, vous voyez celui que j'ai mis, il est très ressemblant. Je sais pas si vous allez bien voir. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Voilà, il est très ressemblant, sauf que celui que j'ai, il est un tout petit peu plus kaki. Donc voilà, ça sert à rien que je garde les deux. Donc ça, c'est déjà des petites choses que je dois mettre ou remettre en vente. De ma rotation que j'avais mis, donc vous l'avez en barre d'infos la rotation, je vais enlever le Prime and Fine puisque je suis en train d'utiliser dès que je préfère, donc voilà. Et l'highlighter Pat McGrath aussi, voilà, je l'aime bien mais c'est pas mon préféré. Et dans les dorés, bah, je préfère le Nabla, et comme je mets très peu de doré, donc ce sera rien que je le garde, quoi, voilà. Il est très beau, hein, mais moi je l'utiliserai pas. Donc ça, c'est déjà des petites choses qu'on va pouvoir mettre en vente et on mettra tout le reste ici. Alors, dans le tiroir, le premier, normalement, ouais, là, il n'y a rien à enlever, c'est mes paillettes, mes strass et mes fossiles, tout ça. Donc ça, là, je garde. Alors, ici, là, c'est du backup. On va commencer par ici. Attendez, je me ravance. En bronzer, bah, ça, tout ça, je garde. Ici, c'est des blushs. Alors, j'ai enlevé le Chanel. Voilà, il n'est pas assez pigmenté et foncé pour moi. On ne le voit pas trop quand je le mets. Je l'ai testé qu'une fois, mais il est magnifique. C'est aussi Marise, hein, qui me l'a envoyé. Mais on ne le voit absolument pas sur moi. Donc, c'est un peu con-con. Je ne sais pas si on voit la teinte ici. Bon, ça doit être ça, la teinte. Ah, voilà, comme ça vous savez. Le Patrick Ta, je garde. Le Tom Ford, je garde. Celui-là, je garde. Celui-là, je garde. Les Catrice, je garde. Celui-là, je garde. Ici,
Celui-là, je ne sais pas trop, mais c'est un cadeau de Manon. Le Milani Nabla, je garde. Le Floral Grunge, je ne l'utilise plus vraiment, mais peut-être cet été. Les autres, c'est mes préférés, donc je garde. La palette de blush BH, je ne sais pas trop. J'aime bien les teintes, mais est-ce que je vais vraiment l'utiliser ou pas? Je pense pas. Je vais la mettre en vente aussi. Je préfère utiliser des individuels. Celui-là, pour l'instant, je garde, mais j'hésite encore. Et les deux Kiko, là, que Maryse m'a envoyé, je garde, je les adore. Alors, en highlighter, Ofra, BH, tout ça, je garde. Bon, je garde. Ah non, le Beauty Bay, je l'enlève, c'est le Parade. Il ne fait pas assez de pétouille à mon goût, mais il est très beau, mais il ne fait pas assez de pétouille. Ici, je garde tout. C'est mes Glisten, mes trucs Révolution, mes liners métallique et tout ça. Alors ici par contre je vais enlever les trois, c'est aussi hein, dans le vide placard avec Manon, les trois de chez Révolution métallique là, ils ne tiennent absolument pas sur mes lèvres, donc voilà, c'est dommage parce que j'aimais bien la, surtout le dernier là ici en dessous, la teinte est magnifique mais ils tiennent pas sur moi, c'est un truc de fou. Je les mets 10 minutes après, il n'y a plus rien. Donc ceux-là je vais les enlever, mon X alors là, je garde, ceux-là je garde, ça je garde, et ça c'est des colorés que je garde aussi. Ah j'ai un mauve ici, j'avais oublié. Quoique je vais enlever aussi, bon ça c'était un cadeau de Amy, mais il ne tient pas sur moi non plus. Donc je vais enlever celui-là des NYX machin là. Cela pour l'instant je garde. Alors au-dessus c'est le backup, le carnage backup. Là je garde tout. Je voulais juste trier les paumes à lèvres parce que les paumes à lèvres c'est un carnage aussi. Ça c'est un truc que je garde. Ça c'est mon plumper que je garde. Ça c'est les soins que m'a envoyé. J'aime beaucoup, donc je les garde. Ce sont encore un plumper. Donc les plumpers, je vais garder. Bon, allez, celui-là, je viens d'acheter, je garde. Celui-là, je garde. Celui-là, je le virai. J'ai utilisé qu'une fois, mais il rosit trop les lèvres. Pour moi, il s'adapte au pH de la peau. Oh merde, il y a plein de poils, il faut que je le nettoie. Mais sinon, il est beau, hein, mais je vais certainement le donner à mes nièces. Vu que j'ai utilisé une fois, je ne vais pas le mettre en vente, je vais le donner à mes nièces. Celui-là, aux cookies, je garde, je viens de l'acheter. Ça, c'était dans le calendrier de l'avant. Je garde. Celui-là, je vais le garder. Celui-ci, je ne sais plus où je l'avais eu. Bon, je vais tout regarder. Bon, bah non, en fait, je garde tout. Ouais, je garde tout. Donc, à part l'autre qui teinte les lèvres, là, parce que je ne l'aime pas trop, mais je le donnerai à mes nièces. J'essaie de refaire un peu d'ordre, hein, mais c'est pas évident. Voilà, voilà. Et ici, au-dessus, c'est les produits pour les ongles. Donc là, je ne vire rien. Alors, on va commencer par ici, les crayons. Logiquement, j'ai pas de doublon de couleur. Je regarde toujours si peut-être les deux verts, là, vous voyez, se ressemblent un peu. Mais il y en a un qui est un peu plus néon que l'autre. Donc, voilà. Les liners pailletés, je garde. Les eyeshadows, je garde. Alors, ici, là, il y a des trucs à virer. Les duochromes de chez Essence, je vais les retester une fois. Ceux-là, je garde. Ça, je garde. Je vais enlever les trois crayons comme ça de chez Laura Mercier. J'utilise pas. Donc, c'est pareil, c'est Maryse qui m'avait envoyé. Mais j'utilise absolument pas. Alors, ici, en rouge à lèvres, les Melted, je garde. Les Jeffree Star, je garde. Ceux-là, je garde. Les Pat McGrath, je garde. Celui-là, je garde. Ça, je garde. Ceux-là, je les avais déjà mis une fois en vente. Et ils m'ont supprimé l'annonce. Donc, du coup, je les ai remis là. Et le Marc Jacobs, je le garde aussi. Voilà. On va faire celui-ci. Donc là c'est des révolutions, pareil c'était dans le swap vide placard mais je les utilise pas, donc je vais les virer, ces trois marronnés, surtout que les marrons
Il y en est. Le Line Crime, le Mini Huda, ça je garde. Too Faced, Too Faced. Mon Chanel, je garde. Les deux là, je garde. Le Sephora Rouge, je le garde. Le NYX, je garde. Le Essence du calendrier de l'Avent, j'hésite. C'est un nude et c'est pas un que j'en... Alors j'ai enlevé celui-là, que j'avais payé une misère, mais c'est un rose fuchsia. Donc j'ai utilisé qu'une fois, hein. Mais j'en ai d'autres dans cette teinte-là et je préfère le NYX. Donc celui-là, je le vire. Celui-là, je vais le jeter. Je vais carrément le jeter parce qu'il est très 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 vieux. Donc ça sert à rien que je le revende. Le Beauty Bay, je l'enlève parce que pareil, il tient pas sur moi. Et les autres là, je garde. En crayon à lèvres, ça je garde celui-là aussi. Alors ici, j'ai enlevé le Chiglam. Parce que ben, je ne l'utilise pas tout simplement. Les petits focalures, ça fait hyper longtemps que je ne les ai pas utilisés non plus. Ici, vous voyez, j'ai le rose là que j'adore. Le noir de chez Sephora, le bordeaux de chez NYX. Celui-là, je garde. Je vais juste enlever celui-là que Amy m'avait donné. Parce que, pareil, c'est pas mes préférés. Et du rose, je préfère largement celui-là. Celui-là, c'est le Shine and Loud. Line and Loud. J'adore ce truc. Celui-là, je garde. Ça, je garde. Je vais enlever le Too Faced. Voilà, il tient pas non plus. Après, les glosses tiennent pas sur moi en règle générale. Celui-ci, c'est un quoi? Je ne sais même plus. Je sais même plus ce qui vient, celui-là. Il est holographique. Voilà, celui-là, je peux encore. Je crois que je ne l'ai même pas testé encore. Donc, ça, je vire. Je vais pouvoir ranger un peu plus mes rouges à lèvres. Ça, c'est bien. Mais ça, ça sera dans une prochaine vidéo. Alors, ici, vous voyez, c'est tout des rouges à lèvres que j'ai à ranger. Ça, c'est pour les filles. Ça, c'est des palettes que j'ai à tester. Donc, pour l'instant, elles restent là. Alors, les petites palettes. Celle-ci, je garde, c'est celle à paillettes. Celle-là, je garde, c'est des paillettes. Les Huda Beauty, je garde. La petite cargo, là, je vais virer. Je ne vais pas utiliser, mais... Voilà, c'est pas une marque que je connais, c'est pas une marque qui m'intéresse. Et autant la revendre tant que c'est neuf. Parce que ça n'a même pas été swatché rien. Donc voilà. Il y a la grande aussi que je vais enlever. La petite Pat McGrath, là, je vais l'enlever aussi. Puisque avec la grande que Maryse m'a offert, ben, j'ai le bleu et le vert dedans que j'adorais. Donc je vais revendre la petite, ça sert à rien de garder. La Joe Breaker, je garde. Les BH, je garde. Voilà. Les Colourpop, principalement, je garde. Il y avait la Going Coconut que je voulais enlever. Pas la Baby Got Peach parce que je l'adore. Parce que, ben voilà, pareil, c'est du nude. J'utilise pas beaucoup de nude et j'ai d'autres palettes que je préfère. Et pareil pour celle-ci, la Boudoir Noire. Les lumineux sont magnifiques, les paillettes sont magnifiques. Mais j'ai beaucoup de teintes similaires, donc je ne l'utiliserai pas non plus. Donc voilà pour les petites palettes. Hop, je range. Oui, oui, je range au fur et à mesure. Alors, ici, d'abord, on va commencer par l'autre côté, parce que là, logiquement, j'enlève rien. C'est bah, quasi que des cadeaux des filles, Maryse, tout ça, c'est des cadeaux des filles ou mes palettes préférées. Donc voilà, je les garde. Je vais juste enlever la cargo. Non, c'est pas celle-là. Non, c'est celle-là. As. Ah, c'est beauté. Voilà, elle est là. Hop. Attendez, j'arrive pas à choper. J'arrive. Voilà. Le packaging est magnifique. Les teintes sont jolies aussi, mais j'utiliserai absolument pas. Voilà, donc pareil, hein, je préfère vous la mettre en vente tant que c'est neuf. Alors, ici, les deux... Anastasia, je garde. Les deux Sananas, je garde. Les deux Huda Beauty, je garde. Celle-là, c'est la Color Book que Nico m'a offert. Donc, je ne l'ai même pas encore testé. Je vais refaire un petit tri dans les Flawless. Je vais déjà enlever la Affinity. Parce que, bon, même que j'adore les lumineux, c'est du nude. Et il y a d'autres palettes que je préfère utiliser maintenant.
Pareil pour là, alors là, vous n'allez pas y croire, mais je vais enlever la cannabis sativa parce que j'ai tellement de verres maintenant que j'utilise plus celle-ci parce qu'il n'y a pas beaucoup de verres dedans, justement. La Pride, c'est bien celle-ci, ouais. La Pride, je vais enlever aussi, donc c'est une très colorée. Mais j'ai d'autres teintes similaires, pareil, j'ai utilisé qu'une fois ou deux celle-ci. Donc celle-là, je vais l'enlever aussi. Et les 5, 6 qui me restent, je les garde. Voilà, parce que ça fait vraiment partie de mes préférés. J'hésite un peu pour la Bird of Paradise, mais j'aime trop. Voilà, les teintes qui sont dedans, j'aime trop. Après, je garde les deux Friends parce que c'est Friends et que j'aime beaucoup. La Nude, j'aime beaucoup. La Namasté qui reste ma Nude préférée. La Enchanted. La Ice parce que j'ai pas d'autres palettes vraiment bleues. Et la Colorbox parce que j'adore les teintes qui sont à l'intérieur. Voilà, voilà pour ce petit déclutter. Et bien sûr, je garde ma Martine et ma chère et tendre Blood Money. Voilà, vous voyez, la cannabis sativa ne me sert plus à rien avec celle-là, quoi. Donc voilà, écoutez, moi je vais pouvoir m'amuser à ranger tout ça. Donc ça fera partie d'une autre vidéo hein, que je vous filmerai mon rangement make-up. Et voilà. Mais on a enlevé pas mal de choses, donc je suis contente. Voilà, ça fait quand même déjà un beau tri. Plus les ventes que je dois refaire, et ça, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Ouais, écoutez, voilà pour ça. Donc, j'espère que ce petit décluteur vous aura plu. Donc, oui, j'ai remis mon gilet pilou-pilou par rapport à la vidéo où je me suis maquillée et j'ai rattaché mes cheveux. Là, je vais aller faire la sieste, de toute façon. Voilà, on a bien trié. Maintenant, j'aurai plus qu'à re-ranger. Je vous montre, je ferai un room tour une fois que j'aurai tout re-rangé. Puisque j'ai acheté un plus gros rangement de rouge à lèvres pour ranger ici. Donc, je vais voir comment je peux arranger ça. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Donc, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air. Ça fait vraiment plaisir de vous abonner parce que ça me fait encore plus plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis bisous bisous. You don't wanna make sure you're right.